Salut! Salut. Alors, toujours passionné d'histoire? Plus que jamais. Bah justement, je reviens du monument du Pied de Vannerie. Vous avez vu dans quel état il est? Ah oui, j'ai vu, il est mal entretenu. Je trouve ça dommage que personne s'en préoccupe plus. Bah d'autant que c'est un peu notre devoir de citoyen, faire en sorte de ne pas oublier les événements du passé. Bah vous savez, quand j'étais petite, j'allais faire des commémorations là-bas. Et vous? Non. Non, non plus. C'est sûrement parce que mon arrière-grand-père est un rescapé des faits. Des faits, et quel fait? Tout ce que je sais, c'est que mon arrière-grand-père Gaston Simon a reçu une balle par des Allemands qui rentraient à Lyon. Ah bon, mais ton grand-père, il était résistant ou soldat? Non, c'était un simple civil. Mais c'était où? C'était à la sortie de Tarare au pied de Vandry. Il est mort? Non, c'est le seul survivant. Et tu sais ce qui s'est réellement passé? Eh ben ça, bonne question, j'aimerais bien le savoir. Bah ça, c'est un travail d'historien, par exemple. Essayer de rechercher les faits avec un maximum d'exactitude. C'est ce qu'on pourrait essayer de faire, d'ailleurs. Bah oui, et par où on commence? On pourrait aller à la société d'histoire. Ouais, pourquoi pas. Donc là, on nous dit que 13 civils ont été exécutés en fin de journée au pied de Vandry, et que c'était des civils qui étaient ouvriers, employés, tailleurs, pareurs, et il y avait même un enfant de 15 ans là. 15. Ah oui? Et ces ouvriers, ils ont été pris en otage alors qu'ils travaillaient dans leur jardin. Ils ont été alignés le long d'un mur vers 21h, puis assassinés. On constate qu'il y a même un soldat ukrainien qui a été exécuté. Et là, c'est marqué qu'il y a un survivant. Je crois que c'est ton grand-père. Ah si, c'est mon grand-père. On me dit qu'il a été réquisitionné pour sa camionnette et que les Allemands lui ont tiré 2 balles. Et ensuite, des voisins l'ont aidé. Ils l'ont transporté avec une charrette de laitier jusqu'à l'hôpital qui était à 4 km et que c'est grâce à eux qu'il a pu survivre. Bah tiens, justement, la colonne qui a assassiné les personnes et qui a tiré sur ton grand-père. C'est une colonne d'Ukrainiens de la Wehrmacht. Ils venaient de Rouen et ils se repliaient vers Lyon par la Nationale 7. Et bah apparemment, ces exactions font suite à une série d'accrochages qui ont eu lieu le jour même, le long de la Nationale 7, entre des soldats allemands et les résistants. Mais du coup, on peut se demander si ce genre de massacre était centré autour de Tarare. Non, parce que ça nous donnerait un point de vue plus global sur la Ouais. situation. Alors, ce que vous me dites, ça me fait penser à une carte que j'ai réalisée. Cette carte a pour but de recenser tous les massacres qui ont été commis par les Allemands durant le printemps et l'été 1944. Et notamment, nous pouvons voir que l'avancée des troupes allemandes s'accompagne de violentes répressions. Ah oui, on compte 22 massacres pour à peu près 600 morts en l'espace de 6 mois. On peut donc penser que le débarquement en Normandie le 6 juin 1944 et puis surtout celui de Provence le 15 août 1944 ont pris en étau donc les forces allemandes et ont intensifié les massacres. C'était très intéressant. On va le chercher. Plus nos recherches avancent, moins j'arrive à comprendre comment on peut arriver à de tels actes de barbarie. Tu sais, Lynn, si tu contactes Jean-Luc Leleu, historien, il pourra sans doute t'aider dans tes Ah, recherches. d'accord. Mais super, merci beaucoup. Au Merci, au revoir. revoir. Donc, bonjour Monsieur Leleu, merci de prendre un peu sur votre temps pour répondre à nos questions pour nos investigations. C'est que le 22 août 1944, au pied de Vindry, 13 civils tarariens ont été assassinés. Alors, comment expliquer la participation de la Wehrmacht aux répressions contre les civils? Ça a été une répression terrible, notamment au cours de l'été 1944, où vous avez une sorte de dynamique de violence, de radicalisation de la violence et de la répression que l'on peut très clairement observer. Ce sont les mois vraiment les plus meurtriers de l'occupation. Vous avez une culture de guerre à la base allemande qui, dès la Première Guerre mondiale, met l'efficacité militaire avant tout autre principe. À cela s'ajoute avec l'arrivée des nazis au pouvoir et puis la culture de guerre qui va être mise en place sous le régime nazi, celle de
d'une radicalisation encore accrue de la violence. Alors elle apparaît dès la campagne de Pologne en 1939, mais c'est surtout avec l'ouverture de la guerre à l'Est à partir de juin 1941 que la violence va vraiment se déchaîner de manière radicale. Cette radicalisation, en fait, on le voit, il y a deux temps. Il y a en période d'invasion, et puis au moment des replis, justement, où il y a c'est des périodes d'incertitude, où finalement, on n'a plus, pour les troupes, il n'y a plus rien à perdre. Il y a une forme aussi de dilution de l'autorité, c'est-à-dire que vous avez une délégation du pouvoir au plus bas niveau hiérarchique. Dans quelle mesure les soldats se sont sentis déresponsabilisés dans leurs actes, sachant que leurs officiers donnaient leur assentiment pour perpétrer de tels massacres? Là, vous avez l'ordonnance Sperle de février 1944, où un simple chef de section peut ordonner l'exécution d'un civil sans qu'il soit justiciable, donc de la justice militaire allemande. Est-ce qu'il y avait une volonté de diviser pour mieux régner l'occupant allemand? L'idée, c'est de frapper des grands coups pour quelque part terroriser la population, la dissuader de continuer à aider les maquisards. Et donc, vous ouvrez ainsi toutes les portes pour une violence accrue. Mais ce n'est quand même rien par rapport à ce qui s'est produit sur le front de l'Est. En France, vous avez Oradour-sur-Glane, 643 civils qui ont été exécutés le 10 juin 1944 par la division d'Aspage. Pour la seule Biélorussie, on est à 600 Oradour à peu près. Dans quelle mesure ont été poursuivis ces criminels dans l'après-guerre? Ça a été très compliqué pour la justice militaire française, parce que généralement, elle manque d'informations. On a du mal à identifier déjà. Elle n'a pas les moyens. Donc finalement, le plus souvent, la justice s'est concentrée sur les massacres les plus importants, les plus spectaculaires, ou lorsqu'elle avait la chance d'avoir des informations. Mais vous imaginez le nombre de victimes à qui on n'aura pas rendu justice? Bah pas de justice légale surtout. Mais pour nous, je pense que ça serait légitime de leur rendre justice. Et comment on peut faire ça? Bah, on pourrait faire un travail de mémoire. Ouais. C'est vrai que les voisins de mon arrière-grand-père n'ont pas eu la même chance que lui, et c'est important de ne pas les oublier.